Oh hello les amis, comment allez-vous? Je suis spoté. Ouais, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Ça je le sais. C'était pas trop top ce que je voyais, ce que je trouvais. Et puis j'avais plus trop envie d'en faire. J'ai voyagé pas mal. Et puis j'ai essayé de voir la mer, mais c'est la galère. Tourisme, tourisme. Donc du coup, je suis pas mal dans les terres. Et là, je suis dans les Landes. Enfin, ouais, je crois toujours. Et je viens voir cette petite fontaine. Voilà. Et bah voilà quoi les amis. Bon alors, j'ai étudié le truc, j'ai lu la pancarte, donc celle du milieu, voilà, soignerait les sciatiques, les rhumatismes, celle-ci soignerait les maux de tête, et celle de derrière, on va aller relire ça ensemble, je ne me souviens pas. Donc je vais aller faire une petite baignade de pied dans celle-là, moi, parce que les maux de tête, j'en ai plus jamais, plus beaucoup. C'est peut-être dû au fait que je suis plus dans le même environnement, je sais pas. Ah, c'est chiant là. Là, faut passer. Faut que je retire mes choses là. Putain, bah, je repose les amis. Bon, bah, voilà, ouais, ouais. Sciatique, j'en ai une à un moment. Et puis. Oh la vache. Là.
vache, bah voilà. Bah voilà les amis, hein, faut en profiter, hein, quand on peut. Ouais, ouais, sciatique, j'en avais une petite qui revenait. Pas trop violente, mais je la sentais revenir dans la jambe droite et je me suis fait mal au dos et puis elle est un peu partie. Donc voilà les choses. Il y a des beaux boulots là. Ouais, ouais, ouais. Ben voilà. Voilà. Je sais pas combien de temps fallait y rester. J'ai les mots de ta vie alors, hein. Je pense. Bon, bah, c'est un petit coin sympa. En plus, je suis tout seul. Hop, ça c'est bien cool. Voilà, si vous passez par là, bah, arrêtez-vous ici, c'est sympathique. Il y a la place pour caler le camping-car, à part l'entrée qui est un peu serrée de la route, pas trop grand camping-car, et puis après vous avez toute la place et puis vous pouvez bouffer là, comme je vais peut-être faire, je sais pas, je verrai bien. Bon bah je vous refais un petit tour et puis on va aller relire la pancarte et puis ce sera fabuleux. J'en ai d'autres à voir dans le coin. Donc je vais avancer et puis je remonte dans les terres au fur et à mesure vers Bergerac. Et parce que j'avais trouvé un spot super là-bas. Que je vous ai filmé, mais je gueulais, donc j'ai abandonné l'idée de mettre la vidéo. Du coup, je vais y retourner, parce que j'y ai passé 3 jours fabuleux. Enfin, fabuleux, ouais, ouais, sympathique. Un endroit calme. J'ai bien aimé, donc je vais y retourner pour le week-end, je pense. Et puis après, bah, ça devrait s'être calmé un peu, toute cette cohue sur les plages, là. Ouais, c'est affolant, affolant, quoi. Puis alors là, dans le coin, c'est tous les Allemands, quoi. Je me suis mis dans un camping, là, vers Vieux-Boucau. Une nuit, là, il n'y a que des Allemands, quoi. C'est la folie, quoi. Puis tout le monde se remet à la tente, les vannes. C'est dingo. Puis après tu t'écartes à 50 km dans les terres et t'es tout seul. Tout le monde suit les plages. Quoi. Voilà, la mode van life, quoi. Bon, et bah à tout de suite. Bon bah alors, la fontaine Saint-Clair est composée de 3 sources distinctes qui ont chacune des vertus curatives. Celle du milieu guérit les sciatiques et les rhumatismes. La plus éloignée, donc c'est celle que j'ai été en premier. La plus éloignée sur la droite soulage les maux de tête et des yeux. Ah ! Ah ! Ah ! Mais je vais retourner. La dernière sur la gauche favorise la marche des enfants. Et un dicton rappelle cette fonction. Los Goya... Et les enfants aux jambes torses vont se tremper à la source de Saint-Clair. Jadis, on se rendait en possession de la capère Notre-Dame d'Arose à la fontaine le 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge. Bon, bah voilà les amis, on sait tout. Et puis, voilà. C'est par là.
Voilà, petite marche pieds nus, mais ça pique bien.